gynecologist Dr. Dennis Mukwege has said it all. He has dedicated his life to mending damage done to women raped and sexually assaulted by the soldiers and gangs fighting in the Democratic Republic of Congo. He runs this hospital here in Congo's eastern province, which has been described by the United Nations as the rape capital of the world, where women are brutalized by sexual violence. Lorsque je reçois les victimes de violences sexuelles, la première chose, effectivement, c'est essayer de les restaurer physiquement, mais aussi sur le plan émotionnel, les prendre en charge sur le plan émotionnel pour restaurer leur dignité, pour restaurer, les restaurer physiquement, restaurer leur dignité et ainsi leur donner la capacité de pouvoir donc défendre leurs propres droits lorsqu'elles peuvent se battre contre la stigmatisation, contre les humiliations qu'elles subissent par rapport à la société. Mukwege provides more than just medical help. He treats close to 10 rape victims a day, repairing broken bodies and disturbed souls. After treatment, the victims are often afraid to return home. Dr. Mukwege provides temporary shelter and advice on starting over. Wakati nitosha kunifikisha hapa, ndio wakabambia sapana, msimuache hapa, mumbebe panzi kwa Mukwege. Hakuna mahali kwa nabiyo, sina ndugu, sina kingine chote, bali bali nileta najua nifikisha mahospitali, sijue hata kwa hospitali gani, nilikuwa sijue hata huko. Nikahudumiwa mule mahospitali, nikatunzwa kwanza kwenda kuta saki ya mkoyo iliharibika. The endless stream of victims arriving as patients seeking help and protection has turned Dr. Mukwege into a human rights defender. But his work to stop the impunity is not always welcome. Souvent, vous n'êtes pas applaudi par ceux qui commettent les abus. Vous n'êtes pas accepté et souvent vous allez subir des menaces. Vous pouvez risquer en fait même votre vie. Et je pense que ça c'est une première étape et la deuxième étape c'est par rapport à vous-même puisque lorsque vous subissez donc lorsque vous êtes défenseur de droits humains. Le gros problème, c'est que par rapport à vous, ces attaques, ces menaces peuvent influencer beaucoup vos attitudes. Je crois que le plus positif, si on peut dire ce qui est positif, je trouve, moi, c'est que par rapport aux victimes, il y a quand même une symbiose qui se crée où vous sentez que vous formez une équipe qui se bat pour une cause commune et ça, c'est plutôt positif. Dr. Mukwege's work is acclaimed both locally and internationally. He has been honored with awards including the UN Human Rights Prize. In 2009, he was nominated for the Nobel Peace Prize. But even without the awards, Dr. Mukwege knows he does vital work. Born and raised in Congo, he has seen mothers, their daughters, sisters, and children suffering for far too long. Je crois que chacun peut défendre le droit de l'homme dans son cadre, dans le cadre de son travail. Et en fait, si on le fait chacun dans son cadre, je crois qu'on peut avoir un monde où on peut se dire qu'il n'y a plus la discrimination, il n'y a plus les abus de droit de l'homme, puisque chacun est conscient qu'il doit défendre son droit et le droit des autres.